S'il vous plaît, connectez-vous rapidement, partagez. Je ne vais pas rester longtemps. Hein. Je viens de finir déjà un direct. Je vais juste m'exprimer à quelque chose que je viens de recevoir concernant le Mali. Je ne pouvais pas mélanger ça dans mon direct de prière. Donc, partagez vraiment ce message, ce direct. Et puis, prenez ça au sérieux. Alors, partagez ce message, prenez-le au sérieux. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers frères ivoiriens, bonsoir tous les Africains, tous les Panafricains, tous nos frères maliens, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'étais en train de faire un direct de prière tout à l'heure, ça n'avait rien à voir avec le Mali. Je ne pensais pas au Mali pendant que je faisais mon direct de prière, j'étais juste en train de prier avec les gens comme j'ai l'habitude de faire sur les réseaux sociaux. Vers la fin du direct, j'étais resté un peu calme. J'étais un peu calme parce que je commençais à avoir des films. Je commençais à avoir des flashs, je commençais à avoir des films. Et mon esprit est parti sur le Mali. J'espère que vous m'entendez bien. Mettez les cœurs pour me montrer que vous êtes là. Mettez les cœurs parce que je ne veux pas parler dans le vide. Je veux savoir si vous êtes là. Donc si vous êtes connecté, mettez les cœurs et puis partagez le direct. Donc, mon esprit est parti sur le Mali. Avant que je finisse mon direct, ça n'avait rien à voir. J'étais juste en prière avec mes frères et sœurs. Et mon esprit est parti sur le Mali. Et je commençais à voir des scènes. Je commençais à voir des images. Et à un moment, j'étais resté calme. Ceux qui ont suivi mon direct de prière vont voir que vers la fin, j'étais un peu bizarre. C'est comme je parlais en même temps, j'étais ailleurs. Et j'étais en train de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. En réalité, dites aux Maliens que le Mali, mentalement, est divisé. Le Mali, mentalement, est divisé. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans l'ombre. Prenez au sérieux mon message. Je m'appelle Atia Normal. Quand moi, je viens m'asseoir et puis je parle, on ne joue pas avec ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'ombre. Les vrais ennemis du Mali, là, les vrais ennemis du Mali, il y en a deux. S'il vous plaît, partagez ce direct. Et envoyez ce direct à Assimi Goïta, envoyez ce direct à tous ceux qui luttent aujourd'hui pour la délivrance du Mali. Les vrais ennemis du Mali, il y en a deux. Il y en a deux. Le premier, celui-même qui a la base de tout, celui-même là qu'on doit craindre, celui-même qui active tout, celui qui peut utiliser la Côte d'Ivoire, celui qui peut utiliser le Burkinabé, celui qui peut utiliser qui que ce soit contre le Mali, cet ennemi-là est blanc. Ce n'est pas un seul blanc. On ne peut pas dire la France. Parce que la France est dedans. Mais dans la vision que je viens d'avoir, la France est dedans, mais c'est comme il y a plusieurs sortes de Français. Donc moi, je vais dire l'Union européenne. Enfin, il y a des gens qui décident. Ce que j'ai eu comme vision, il y a des gens qui ont leurs intérêts au Mali et qui étaient assis à la peau blanche, qui sont en train de dire, on ne peut pas les laisser nous priver de la sorte. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre des décisions très radicales. Ils sont prêts à payer des gens. Ils sont prêts à donner des avions.
Ils sont prêts à corrompre des présidents de l'Union, c'est-à-dire de l'Afrique. Ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour déraciner ce gouvernement de transition. Ce que je dis là, si tu es malien, je dis, prends mon direct, partage-le. Il m'appelle à Tia Normal. Je ne viens pas m'asseoir souvent comme ça pour raconter ma vie. Quand moi je viens, je te dis, j'ai vu quelque chose là. Il faut le prendre au sérieux. Parce que ça va arriver. Et si tu le prends au sérieux, tu peux empêcher que ça arrive. Ils sont assis en train de prendre des décisions. Je vais parler sérieusement. En réalité, ce qui s'est passé avec l'histoire de mercenaires de la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit, les 49 personnes qu'on dit qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, c'était un essai. C'était une distraction. Je suis sérieux. C'était un essai. C'était pour vérifier la vigilance du gouvernement actuel malien. C'était pour tester la sécurité du gouvernement actuel, ce gouvernement de transition. C'était pour vérifier s'ils étaient vigilants. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très, 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 très bien. On a attaqué la Côte d'Ivoire, on a attaqué. Oh, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire a été juste un passage. Ceux qui sont derrière là sont blancs. Mon œil s'est ouvert tout à l'heure dans mon direct. Vers la fin de mon direct, j'ai vu des choses que je suis en train de vous expliquer. Et même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui peut-être vous allez, on va accuser aujourd'hui pour dire ils sont ceci, ils sont cela, ils ont le cou comme ça, ils ont la main dans les menottes. Ils ont le pistolet sur la tête et on leur dit, si vous ne faites pas ça là, on va faire ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront pas le choix que de trahir le Mali. Parce que s'ils ne le font pas là, eux-mêmes là, ce n'est pas bon pour eux. Je dis, prenez ça au sérieux. La délivrance du Mali est entre les mains des Maliens eux-mêmes. Est-ce que vous êtes là même? Je ne vois pas vos cœurs là. Vous croyez que je suis venu parler pour rien? Parce que ce qui va s'allumer comme feu peut atteindre n'importe où. Mettez le cœur, partagez le direct. Je ne suis pas venu m'asseoir pour raconter ma vie. Donc, j'ai vu des hommes blancs réunis qui sont en train de dire, on ne peut pas laisser ça comme ça. Mais les 49 militaires qu'on a vus là, et qu'on dit que ce sont les mercenaires là, en réalité, c'était une distraction. C'était une manière de tester la vigilance de la sécurité du Mali. Mais je vais vous dire, ce que j'ai vu là, il y avait déjà d'autres personnes et il y a des gens qui sont déjà dans le pays. Suivez-moi bien. Il y avait d'autres personnes et il y a des gens qui sont déjà dans le pays. Il y a des gens qui sont déjà positionnés dans les frontières. Il y a des gens même qui se promènent au Mali actuellement comme des citoyens maliens qui vont au marché, qui font tout. Mais en réalité, ce sont des mercenaires. Et vous savez, en 2010 ou quoi là, j'avais prophétisé un truc sur la Côte d'Ivoire. J'avais dit quelque chose en disant que j'avais vu des mercenaires qui étaient dans le pays. Celui qui n'est pas sûr, il n'a qu'à aller voir YouTube, mes vidéos. J'avais dit ça. Personne ne m'a cru. Ce que j'ai dit là, c'est réalisé. Les gens ont vu la réalité vers le troisième mandat. C'est vers le troisième mandat, les gens ont commencé à voir que hey, ce que le monsieur avait dit, c'était vrai. Il y avait des militaires, on ne sait pas, ce n'est pas l'armée ivoirienne, hein. Ils venaient tirer sur les Ivoiriens. C'était des mercenaires qui étaient déjà positionnés là. Et la même stratégie qu'on a eu à Abidjan là, la même stratégie, est-ce que vous croyez que les 49 personnes dont on entend de parler là, c'est rien? Avant qu'on découvre les 49 personnes là, il y avait des gens qui étaient déjà rentrés. Avant qu'on découvre ces 49 personnes, il y avait des gens qui étaient déjà aux frontières. Avant qu'on découvre ces 49 personnes, il y a des gens qui sont assis même dans le Mali là. Ils font comme s'ils sont, et ils sont des Maliens, ils sont là-bas. Et ça, faites attention, soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Parce que ce que je suis en train de recevoir, c'est que l'ennemi est à l'extérieur, mais l'ennemi a déjà mis sa racine à l'intérieur. Je parle en tant que quelqu'un qui reçoit des révélations et ces révélations sont prouvées. Si vous ne me croyez pas, allez vous fouiller mes vidéos. Quand je parle, quand je viens m'asseoir et puis je parle comme je suis en train de parler, c'est que Dieu est en train de parler à quelqu'un.
En réalité, les gens veulent tuer Assimi Gota. Je vous suis sérieux avec vous. Hein. Les gens veulent même pas, c'est pas à faire, on va l'attraper, on va le mettre en prison, on va descendre le gouvernement de transition. Ils ont décidé de tuer Assimi Gota. J'ai dit, ils ont décidé de le tuer. Je suis sérieux. Je m'appelle Atia Normal. Renseignez-vous sur ce nom. J'ai dit, ils ont décidé de tuer Assimi Gota. On veut le tuer. On cherche par qui on peut passer. Par qui on peut passer. Par qui on peut passer. Est-ce que c'est des gens qui sont proches de lui? Est-ce que c'est quelqu'un, même si on peut passer par une femme, on peut passer par un enfant, on peut passer par n'importe quoi, ils sont en train de chercher toutes les solutions qu'ils peuvent prendre. Je vais vous montrer que je suis un voyant. Derrière Assimi Gota, je vois une personnalité, je vois un vieux. Je vois Assimi Gota, puis je vois un vieux. Ce vieux-là, je ne peux pas dire que c'est un marabout parce que je peux même dire que c'est une entité. Je vois un vieux. Et derrière ce vieux, je vois d'autres vieux, on dirait des notables. Ils sont assis. En réalité, ce sont comme des marabouts, ce sont comme des grandes autorités spirituelles dans le monde spirituel. Et ils sont au Mali. Ceux-là font la force d'Assimi Gota aujourd'hui. Et Malabro Koshakarabra. Des gens qu'on ne peut pas corrompre. C'est ça qui fait la force d'Assimi Gota aujourd'hui. Je suis sérieux, hein? Je suis en train de parler sérieux même. Je suis en train de parler sérieux. Mais, le deuxième ennemi du Mali là, ce sont certains Maliens eux-mêmes. Il y a des Maliens au Mali qui ont été déjà corrompus, qui ont été déjà achetés. Il y a certains même qui cachent déjà des mercenaires. Et si vous ne me croyez pas, si vous ne me croyez pas, si vous ne me croyez pas, quand je viens m'asseoir et puis parle comme ça là, je dis, les gens sont en train de parler de Côte d'Ivoire, 49 trucs, ça là, on a parlé, mais ça c'est distraction. C'est distraction, la preuve, quand on a parlé des 49 soldats, regardez les frappes. Regardez les frappes. Vous croyez que les gens qui viennent attaquer actuellement les frontières là, ils sont venus par hasard, ils étaient déjà là. Il y en a qui sont déjà en brousse. Il y en a même qui sont déjà dans le Mali, mais ils sont déjà assis, même posés. Si ça ne va pas là. Donc les armes réellement, c'est-à-dire qu'on emmenait des armes réellement pour alimenter certaines personnes qui étaient là, qui n'avaient pas encore les armes, parce qu'ils sont rentrés sans armes. On leur envoyait ce qu'il fallait pour faire le travail. Et c'est parce que Dieu aime le Mali. Et c'est parce que derrière Assimi Gota, là, il y a des forces, des entités qui se sont levées. C'est ça qui a fait que cette fois-ci, là, ça a été dévoilé. Sinon, il y a des gens qui sont rentrés sans armes, qui sont déjà posés, ils sont assis là-bas, ils attendent. On veut renverser le Mali. On veut renverser le Mali. Mais ce que je suis en train de voir, c'est qu'ils veulent renverser le Mali avec. Ils veulent renverser le Mali avec le treillis du Mali. C'est-à-dire que la tenue militaire du Mali. Ils veulent renverser le Mali en disant que ce sont les Maliens qui se sont levés. Eh, Sokarabrakasakaya. Yeah. J'aime mon don de révélation. J'aime trop mon don de révélation. J'aime trop mon don de révélation. Aïe, Seigneur, merci. J'ai dit, ils veulent renverser le Mali en faisant croire que ce sont les Maliens qui se sont levés contre le gouvernement de transition. Ils veulent renverser le Mali en faisant croire que ce sont les Maliens qui en avaient marre du gouvernement de transition dont ils se sont levés contre Assimi Gota. Donc, ils ont tué Assimi Gota. Donc, ils ont fait ceci. Donc, en réalité, c'est avec les treillis, la tenue militaire du Mali, que les gens veulent porter pour faire ça. Pour ne pas qu'on sache que ce sont des étrangers, des mercenaires qui sont rentrés dans le Mali pour venir faire ça. C'est le plan qu'ils ont prévu. C'est le plan qu'ils ont prévu. Je suis ivoirien de nationalité, mais je n'aime pas l'injustice. Je demande au gouvernement malien
Je demande au gouvernement de transition, mettez les cœurs. Tous ceux que vous allez attraper maintenant, pendant les bombardements, les gens qui viennent attaquer les frontières, et ces 49 mercenaires, posez-les des questions. Ne vous amusez pas, posez-les des questions. Qui vous disent tout parce qu'ils ont tous les secrets avec eux. Posez-les des questions. S'ils vous disent qu'ils ne savent pas, les gens qui vont vous dire qu'ils ne savent pas, que eux, on les a envoyés, c'est pour faire ceci, c'est faux, c'est faux. Il y a un plan monté contre le Mali. Il y a un plan monté contre le Mali. Et ce plan-là, c'est de tuer Assimi Goïta. Parce que au début, là, ils se disaient que le peuple n'allait pas être avec lui. Au début, ils ont fait l'embargo en disant que le peuple allait avoir faim. Et que le peuple allait se lever. Tout ce qu'ils ont fait, les gens ont été, le peuple a été contre le Mali. Donc actuellement, là, le Mali est divisé parce qu'ils ont divisé le mental de certains. Il y a certains à qui ils ont promis l'argent. Il y a certains à qui ils ont promis la présidence. Il y a certains à qui ils ont promis la gloire. On les a déjà donné l'argent. Ils sont préparés. Il y a des étrangers qui sont dans le Mali. Des treillis maliens ont été déjà cousus. Ça est là. Des treillis maliens ont été déjà cousus, ça est là. Ils ont un plan qu'ils ont prévu. C'est pourquoi je demande au gouvernement malien de faire les couvre-feux et d'interdire toutes sortes de manifestations actuellement. Oh, je ne sais pas pourquoi Dieu me met dans les trucs comme ça même. Je demande au gouvernement malien d'instituer un couvre-feu sans maltraiter la population. Hein. Et puis, de refuser en ce moment toutes sortes de manifestations jusqu'à nouvel ordre. Parce que ce que les gens ont prévu, c'est de profiter des manifestations. S'il y a une manifestation, ils vont rentrer dans la manifestation. Ils vont faire croire que ce sont les militaires maliens. Ils vont faire croire que ce sont des soldats maliens. Ils vont faire croire que c'est une armée malienne qui n'est pas contente. Ils vont créer le trouble. Il y aura des morts, des civils qui vont mourir. Il y aura des choses bizarres. Et tout ça pour salir le nom d'Assimi Goïta, pour que le peuple malien se lève contre lui, pour le jeter, pour qu'eux puissent mettre la main sur lui pour le tuer, ou bien pour profiter de la situation pour le tuer. Je suis sérieux dans ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas malien. Je ne suis pas malien. Je suis en train de faire directement mon direct, tranquillement mon direct. Avant de finir mon direct de prière, je commençais à recevoir des... J'étais triste, je regardais l'image, ça défilait comme ça, j'étais en train de voir... J'ai coupé mon direct de l'autre côté et j'ai dit aux gens, il faut que je fasse un direct sur le Mali. Parce qu'il y a quelque chose que je suis en train de voir. Que les Maliens soient vigilants. Que le gouvernement de transition actuellement sorte de toutes sortes de distractions. Et quand ils n'ont qu'à instituer la sécurité intérieure. Sécurité intérieure. Parce qu'il y a la sécurité extérieure. Les frontières doivent être protégées. Les frontières qui sont liées au Burkina. La frontière qui est liée à la Côte d'Ivoire. La frontière qui est liée au Togo. Toutes les frontières qui sont dans les pays limitrophes là. Ils n'ont qu'à sécuriser ça d'une manière sécurisante même. Ils n'ont qu'à sécuriser. Maintenant à l'intérieur là. À l'intérieur du Mali, là, il faut qu'il y ait une opération de surveillance et de nettoyage. Quand ils ont un soupçon sur quelqu'un, quand ils ont un soupçon, ils n'ont qu'à tout faire pour vérifier c'est qui. Il faut qu'il y ait un service de renseignement, même en civil, pour vérifier des choses. Il faut qu'il y ait des services de renseignement en ce moment, même en civil, pour rentrer dans des lieux, dans des coups, vérifier des choses. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Sinon, si vous amusez, un matin, on va se lever.
On va dire, oh, ils ont tué Assimi Gota, oh, oh, il y a eu une frappe ici, il y a eu ça ici, il y a eu ça. Demain, vous allez apprendre. Tous les gens, que, tous les blancs qu'on a chassés, ils sont toujours revenus au Mali, ça soit boum. Et la situation du Mali va être pire qu'avant. Vous avez compris? Il y a quelqu'un qui dit il y aura une manifestation contre la MUSMA. Moi, je vous ai parlé, faites ce que vous voulez. Manifester contre François, comment il s'appelle là même? Emmanuel Macron, la MUSMA, manifester. En tout cas, si vous voulez faire vos manifestations, j'espère que vous allez bien la sécuriser. J'espère que vous êtes bien organisé. J'espère que vous savez ce que vous faites. Mais je suis en train de vous dire, que les gens sont prêts aussi à vous attendre. Leur treillis malien là, ça est là. Leurs âmes cachées là, ça est là. Il y a quelques âmes qui sont rentrées. Et puis, il y a des âmes qui venaient, ça a été bloqué. Mais les frontières là, il y en a qui sont posées là, ils attendent. Ils attendent, les frontières là. Ils sont en brousse. Il y a des gens qui dorment. Ce n'est pas les gardistes, hein. Actuellement, on dit qu'il y a une frappe ici, il y a une frappe ici. Ce n'est pas gardistes. Hein? Ce ne sont pas les gardistes. Ce n'est pas les gardistes. Oh. Ce sont ceux qu'on envoie pour déstabiliser le Mali, le gouvernement de transition. Là. Ils sont posés dans les frontières actuellement. Et ils sont en relation avec d'autres qui sont déjà dans le Mali. J'espère que je me suis fait comprendre. Moi, je vais couper mon direct, je vais quitter ici. Partager mon direct. J'espère que je me suis fait comprendre. Après, ce n'est pas un direct pour venir discuter. Oui, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est pas. Moi, j'ai fini de parler. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Celui qui veut, il ne faut pas, il va croire. À chacun son problème. Moi, je suis serviteur de Dieu. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu et suis venu dire. Assimi Goïta, là, il est en danger. Il y a trop de plans contre lui en ce moment. Trop de stratégies contre lui, de l'extérieur comme de l'intérieur. Ils veulent à tout prix descendre ce monsieur. Ils ne veulent pas qu'il puisse atteindre le but qui va. Ça ne les arrange pas du tout. Hein. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. J'arrête mon direct. C'est à vous de partager. Merci, au revoir.